Oh, oh, cette lucarne! Comment c'est physiquement possible ce qui vient de se passer? Non! Mon jogging blanc! C'est crevé! Bah là, il est mort. Hein. Ah, j'ai pas de chance dans cette vidéo! C'est improbable ce qui vient de se passer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ça va être plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, on va comparer deux ballons. Un ballon de la Coupe du Monde, donc c'est considéré comme le ballon le plus cher de la vidéo. Il est plutôt stylé. On analysera ça plus tard dans la vidéo. VS un ballon de chez Action. On va faire plein de comparaisons. En tout cas, si la vidéo vous hype, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à puncher la barre de l'abonnement. Chaque personne qui regarde doit mettre une punch dans le bouton abonné. Voilà, c'est bon. Allez, on va pouvoir commencer. Go. Je vais vous faire un peu les présentations des participants. On commence par le leader de cette vidéo. C'est le ballon de la Coupe du Monde. Niveau prix, je l'ai acheté 40€. Niveau texture, déjà ça se voit, c'est de la bonne qualité. Parce qu'il y a des genres de petites écailles des crocodiles, non? Pas sûr le crocodile, mais... Des écailles en tout cas, non? Mais je sais pas, il y a des petites montagnes là-dessus. Des reliefs, quoi. Ouais, voilà. Il promet celui-là. D'ailleurs, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Il est tout neuf pour vous dire. Ensuite, le participant un peu faible. 3, 2, 1. Pour l'instant, je vais pas trop critiquer parce que j'ai pas encore joué avec. Ça se voit que c'est premier prix. Je l'ai acheté 5€ à Action. Pas de texture, c'est lisse comme la peau des bébés. Niveau gonflage, pour l'instant, il tient. Voilà, on va pouvoir tester tout ça. On va commencer avec la pratique. Let's go. On va commencer par les petits jongles. Petit jongle avec le ballon de la Coupe du Monde. Oh. What? Ballon Coupe du Monde validé. Ballon Action. On va voir ça maintenant. Wow, il est beaucoup plus léger, hein. Regarde, hein. Regarde. Au niveau dribblage et adhérence du ballon, on accorde le point à qui? Coupe du Monde. Ah ouais, je pense aussi. Je vais pas me baser sur le prix ni quoi que ce soit. Je dis ce que je pense pour l'instant. Lui, il a son premier point. On va passer aux frappes. On commence avec le ballon Coupe du Monde. Allez, première frappe. Oh, petit enroulé. J'ai des chaussures des plouquets. C'est des savonnettes, regarde, je vais glisser. Non. Non mais t'as vu? Cette lucarne! Incroyable ou pas incroyable? Yeah! Let's go! Elle était bien enroulée en plus, hein! Oh! Il arrive quoi? Oh, cette précision dans le coup de pied français! Ah! D'affilé en plus, hein! Pourquoi ce ballon de cheaté? Attends, non, là, il y a un peu une part de professionnalisme, non? Non. Frappe classique validée, je vais faire un boulet de canon, bouge pas. Ouh. Un petit bain de boue comme un cochon. Mon jogging blanc. Non. T'as vu le combo? Grosse frappe. Enroulé. Barre. Et pff, je me croûte quand même plus. Je suis dégoûté. La boue c'est bon pour la peau, non? Ouais. Mais par contre je fais des frappes incroyables, hein. Toi, ça bouge pas. Il barre comme un monstre. Oh, oh. Non. Quoi? Il s'est crevé. Arrête. Non. J'ai pas de chance. Je frappe là-dedans. Non mais c'est un sketch. Regardez. Là, il y a une petite incision. Bah là, il est mort. Hein. C'était trop bon pour être vrai. Je faisais des grosses frappes de ouf à chaque fois. L'air, elle sort constamment. On va faire une opération chirurgicale. J'ai de la colle à bois. Demandez pas pourquoi j'ai ça dans ma voiture. Ok, je prends la colle à bois. Je sais pas si ça va fonctionner. Hein. Je vais essayer de mettre l'aiguille dedans. J'ai fait comme j'ai pu. Pour l'instant, ça fuit pas. Mais par contre, il faut que ça sèche pendant quelques minutes. Donc, en attendant, on va tester le fameux ballon d'Action. Il a intérêt d'être à la hauteur. Qui dit, avec lui, ça va être mieux. Il n'y a aucun sens dans ma tenue là. C'est parti, première frappe, t'es prête? Ouais. Allez, let's go. Oula! Oh, oh, bien! Oh, oh, dommage, ouais. Je me suis dit, vas-y, elle va revenir, mais j'ai envie de faire des effets quand même. Elle était belle celle-là. En montant, ça passe bien. Comme tout à l'heure, les boulets de canon. J'ai peur qu'ils se crèvent. Boulets de canon. Ah. Oh non. Non. J'ai pas de chance. Ça allait chez les gens. Mais c'était une frappe de dingue, t'as vu? J'ai dégommé la transversale. Mon petit frérot, pour l'instant ça a l'air d'aller. Bon, il est quand même mou. Quand on va mettre de la pression, j'ai peur qu'il fuit quand même. En plus, c'est lui qui m'a fait tomber. Hein. Ouais, il fuit encore. Hein. Mais là, c'est pas possible. Hein. Dans les coutures, ça fuit. Pourquoi il est crevé partout? J'ai fait quoi? C'est pas grave, en vrai, je vais avoir le temps de jouer. Ah.
place à la phase des enroulés. Cette partie va nous permettre de savoir si on peut faire des gros effets ou pas avec les ballons. Plutôt curieux de voir si du point de corner, juste ici, shoot. Et là je suis forcément obligé de mettre une enroulée pour que ça passe. Je vais faire mon maximum pour que ça rentre. Ok, je vais commencer avec le ballon de la Coupe du Monde, juste ici. Allez, on va voir si ça va passer. Je l'ai mis en 3 shoots avec un ballon dégonflé, tout ça on prend en compte. Si avec le ballon d'action, premier essai, bon, peut-être te réfléchir quel est le meilleur là. Allez, on se met en place. Ah non, non. Ah, c'est moi, j'ai mal tiré. Allez, deuxième tentative. Yes, en 2 tries, le ballon passe largement. Bon, pour 5 euros, ça passe. Ces épreuves là sont validées, on va pouvoir retourner à la maison pour tester des trucs un peu plus extrêmes et what the fuck. Go. Ça y est, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je me munis ma petite batte de baseball. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ballon de la Coupe du Monde qui commence. Je vais essayer de tirer le plus loin possible. T'es prêt? C'est parti. Mais j'ai mal tiré. Oui. On va le laisser où il est. Ballon de action VS batte de baseball. Et maintenant. Oh. Wow. Laisse une deuxième chance. Il a été RT par un arbre. C'est un sketch. Attends, je suis dans la jungle ou quoi là? Place à la précision, je me suis muni de mon petit club de golf. On va commencer par le ballon de la Coupe du Monde. Et je vais tenter de mettre en moins d'essais possible dans le panier. Et après on fera la même chose avec le ballon de action. Et on comparera lequel a été le plus rapide. Ça va être tendu hein. Oh, oh dommage. Je tente des trucs. C'est encore plus dur que ce que t'es censé faire de base. C'est bon. Oh. Et bon allez hein. Je décide d'arrêter. Je donne une petite chance à celui-là. Là il y a le nombre d'essais de ce ballon là. Si vraiment en 2 secondes lui je le mets, c'est bon. Lui à la poubelle. Jack shoot dans le panier avec un club de golf. Oh, oh merde. C'est pris pour un avion de chasse. Oh, oh. C'est beaucoup mieux. J'y ai cru, mais un truc de fou là. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! C'est improbable ce qui vient de se passer. Arrête, tu t'es planté? Ouais, c'est planté, j'ai pas de chance. Arrête. J'ai tiré et le ballon il est tombé pile sur une branche pointue. Non mais c'est un sketch ce qui se passe. Comment c'est physiquement possible ce qui vient de se passer? J'étais dans mon truc step focus et encore pire que tout à l'heure. J'ai pas de chance dans cette vidéo. Pas de chance aujourd'hui. Putain, j'ai perdu 50 balles. Mais en plus j'ai même pas mis le trick. Ça fait 4 heures j'y suis. On va continuer hein. Mais bon. Il est tout neuf pour vous dire. Je débarque comme un monstre. Oh, il s'est crevé. Non mais c'est un sketch. Non, j'ai pas de chance. Niveau gonflage, pour l'instant il tient. C'est infernal. Les amis, c'est la fin de cette vidéo catastrophique. J'espère qu'elle vous a plu. On va faire la conclusion. Bon, le ballon d'action, il finit crevé. Avec 2 énormes trous dans le gosier. Il s'est pris à une branche, mais improbable. J'ai hâte de voir vos réactions en commentaire parce que c'était complètement what the fuck. Mais en soi, lui, il était trop bien, mais... Bah, si jamais ils avaient pas été crevés. Si vous voulez faire du golf avec du ballon, achetez-lui. Si vous voulez faire du foot avec un ballon, achetez-lui. Voilà, c'est ça la conclusion. Bon, en tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne YouTube. On peut se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était le producteur. Ciao les poulets.